Voilà. En tout cas, Falaise a très fort. Ah! Vincho. Parce que, le robot est mine. Na makon yaya. Vincho. Yo, de la rode. Té, ngayi, vous êtes tombé dans l'image. Vincho, le nom de l'homme, il fallait à son mot. Tu vas souvenir na Congo. Lobi au Baloukati. T'es na Baloukati na lobi Tomoni Macron na bandal. Eh Macron na bandal. Eh na fal. Bah on met la Castel. Eh. Na fal bah on tabaro sola kabo. Eh. Tomoni na bah soule kau kabo. Eh. Sous tu vas. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Poupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur vraiment de continuer à liker, à s'abonner et à partager, à faire tout ce que vous voulez. Avant de commencer cette émission, parce qu'on va encore trop parler avec les masters de la presse, et vous le savez, c'est toujours la vérité, c'est un grand cognard comme d'habitude. Donc, je vais commencer à vous à demander de regarder d'abord mes émissions jusqu'à la fin, car c'est très important. Il y a d'autres choses qu'on ne dit pas au début, on dit à la fin. Il y a d'autres choses qu'on ne dit pas là, au milieu, on le dit à la fin. C'est la fin qui justifie vraiment le moyen. Donc, c'est très, très important de regarder des vidéos jusqu'à la fin. Je vais commencer à saluer mes sponsors, Maman Yeti, depuis la Hollande. Je vais saluer Maman Louboutin depuis l'Angleterre et surtout Maman Jackie depuis la Suisse. Ce sont mes mamans qui sont là pour soutenir la chaîne du Master de la Presse, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler plusieurs sujets, nous allons vous mettre à plusieurs vidéos que vous avez déjà vues au début. On va vous montrer la salle en question où Fally Poupa va prester parce qu'il a fait sold out hier. Je n'avais pas vraiment eu le temps, je devais faire les lives avec vous, je n'avais pas eu le temps. Fally Poupa fait sold out. La salle va contenir plus de 1000 personnes, imaginez-vous 1000 fois. 300$, ça donne combien? Aujourd'hui, Ginolia qui m'a envoyé des vidéos. Ginolia qui je vous salue depuis là où vous êtes. Donc, on va voir. Ça fait 300 000$ que Fally Poupa a pu réaliser pour ce concert, fameux concert au Pullman Hotel. Donc, si vous mettez 300$ fois 1000 places, ça fait 300 000$ que Fally Poupa a pu réaliser juste avec ce concert. Juste avec ce concert que Fally Poupa fait. Donc, je vous demande de regarder des vidéos jusqu'à la fin. On va vous parler de ceci. Je vais vous montrer la salle. On va vous montrer des choses. Comment est-ce que Fally Poupa est en train de préparer son concert de Pullman Hotel qui sera déjà demain. On va chercher des vidéos. On va chercher des images. Les gens vont nous envoyer déjà. Et on va balancer ici au temps réel, vous montrer le plein que Fally Poupa fait. Un sold out catastrophique. Avant de vous montrer la salle, avant de vous montrer les préparatifs de l'artiste musicien Fally Poupa, comment est-ce qu'ils sont en train de se préparer pour ce fameux concert du stade de Pullman, on a promis déjà dans Brazzaville, donc de Pullman Hotel. Brazzaville, c'est pour le 27 mai, donc demain déjà Fally au stade. Donc on va prendre ce concert pour vous montrer les on va d'abord prendre l'image d'une personne qui est en train de faire des mea culpa Fally Poupa qui Kissinger, et puis on va vous montrer maintenant bout à la salle des Babongsi déjà salle Mahamoutou, mon vieux Ginolia qui déjà atteint des lignes bah image voilà Ginolia qui m'en vient n'a pas sur Bambo TV tout un souk en Paris le biga bah comment va bouer langa bah visa microphone voilà on va se voir à Paris. Regardons une vidéo de Kissinger comment est-ce qu'elle fait des mea culpa. En tout cas, Fally est très fort. Ah, le loin d'Imi. 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 Je ne sais pas si tu es un homme. Fallait même t'habiller. Mais je vais dire que 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 je vais dire que
Voilà, l'artiste monsieur Fally Ipupa avait toujours l'habitude de dire au Koufi au raté, c'est ça. C'est lui qui va vivre, va voir. Si on commence à voir maintenant des gens comme des Kissinjora qui ont insulté Fally matin, midi, soir au détriment des artistes qui ne font rien. Et aujourd'hui, Kissinjora qui n'est pas corrompu, Kissinjora qui n'a pas eu l'argent de Fally, Kissinjora qui n'a pas été payé chez Fally Ipupa, venir à la télévision pour dire que Fally a danse na bangi. Ça, ce n'est que le début de ce que Fally Ipupa est en train de faire. Vous allez voir des concerts au Stade de France, vous allez dire quoi? Et plein à craquer 80 000 places. Vous allez voir des concerts à Oyu Arena qui sera plein à 41 000 places. Vous allez voir des concerts au Parc des Princes. Vous allez dire quoi? Dans un concert de Fally Ipupa où lui-même, le chef de l'État de la France, va se déplacer pour venir voir ce concert-là, Emmanuel Macron. Vous allez dire quoi? Fally Ipupa a toujours l'habitude de faire danser des présidents, des premières dames, des ministres, patati patata. Mais comme c'était nos compatriotes, comme c'était des Africains, comme c'était des... Donc ça se voit pas. Aujourd'hui, est-ce que Fally Ipupa devait amener un Emmanuel Macron à Bandal pour Bandima et pour qu'il puisse être accepté par le leur, pour qu'il puisse être accepté par la population congolaise? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est d'abord normal, donc, pour accepter Fally de tout ce qu'il a fait pour la musique congolaise, des récompenses, des trophées, même pas seulement la musique congolaise, mais la musique en Afrique centrale? Est-ce que pour Bandima Fally, il faut que Fally puisse nous amener un Emmanuel Macron? La dame Christine, elle était là, elle passait son temps, elle faisait des émissions, des émissions, des émissions, des émissions. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? Il y a un adage qui dit, les écrits, les paroles s'envolent, les écrits et les vidéos restent. Donc, ces vidéos vont rester. Le master, c'est quelqu'un qui va vous rappeler un jour, tous. J'ai des vidéos de tout le monde, je vous avais dit, je vous ai montré Charlie Prince. Il a annulé, non, c'était pas moi, mais on a montré encore une deuxième vidéo. J'ai des vidéos de tout le monde, moi chez moi c'est pièce contre pièce. Les masters de la presse, ils ne font pas des choses sans pourtant avoir de preuves. C'est pièce contre pièce, donc beaucoup taninango, betaninango. C'est ça le master de la presse. Moi, je vais toujours commencer à vous rappeler qu'est-ce que vous avez dit dans le passé. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous êtes en train de dire au présent. Double discours. On n'aime pas les doubles discours. Fally a osé une sauta. Fally va jamais prendre encore une meuf comme toi. Tu as sué l'image de l'artiste musicien. Voilà aujourd'hui. Donc, Fally devait amener Macron pour Kissinjora Ndimaye. C'est catastrophique. Nous allons prendre... Maintenant, nos choses. Je vais voir le message de mon vieux Gino Gaki. Il y a un message, il y a une vidéo. Donc, voilà. On a la vidéo de... Voilà. Vidéo à Salesana. Voilà. Voilà, vidéo à salayer. Voilà, Gino Lek, on va prendre la vidéo à ce qui concerne Fally Ipupa au Pullman Hotel. Vous-même, vous allez voir l'organisation
C'est une question d'organisation et de professionnalisme pendant la vidéo. Après la répétition, l'idée s'en alla. Mais où au travail? Voici l'organisation et la salle que Fally Poupa va prester ce sold out pour ce 17 mars 2022. Après la répétition, l'idée s'en alla. Mais où au travail? Le concert est 100% Formel 7, donc je salue mon vieux Junolia qui merci pour la vidéo, donc on se voit. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, on a regardé la vidéo du préparatif de Fally Ipupa pour son concert de Pullman Hotel qui est déjà sold out. Il y a des gens qui m'ont appelé, est-ce qu'il fallait au salle sold out, est-ce qu'il fallait au tournis, est-ce qu'il fallait au salle à bruit. Je vous avais dit, soyez calme. Lui, c'est l'aigle. Lui, c'est un aigle. Donc, il ne faut même pas vous inquiéter. Non, Fally va faire ceci là comme ça. On a vu ce sold out. Maintenant, je vais dire une chose. Dans la musique congolaise, on n'a jamais, j'ai bien dit, jamais eu une personne qui a pu réaliser un sold out à ce qui concerne un concert de 300 dollars. C'est pour la première fois un artiste, un musicien de la République démocratique du Congo puisse réaliser un concert à 300 dollars. Pour la première fois. Les gens disent c'est énorme, les gens disent c'est beaucoup, mais c'est beaucoup par rapport à quoi? C'est beaucoup au détriment de quoi? Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui nous a amené un président de la France, quatrième puissance de ce monde. Bah, ils ont pris l'alcool à Bandal. Le niveau de Fally Ipupa a augmenté. Donc, ça, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal. Et puis, je vais vous rappeler, dans ce conseil, il n'y a pas des invitations. Quand on a dit sold out, tous les billets se sont vendus. Plus de 1000 places. Donc, Fally Ipupa a réalisé ses recettes à 300 000 dollars. Juste un seul concert. D'abord, nous allons vous rappeler que ce concert est produit par Être Victime. Le groupe de Fally Ipupa Être Victime a produit Fally Ipupa, comme au Stade des Martyrs. Écoutez, Fally, c'est un multimillionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment riche. Il a déjà payé tous les frais, il a payé la place, il a payé tous les frais. Et maintenant, ce qui entre, ce sont ses bénéfices. Voilà l'organisation. Quand je disais c'est une question, quand Fally disait plutôt, c'est une question d'organisation et de professionnalisme, bon, voilà le résultat. Formule 7 aujourd'hui, ça totalise 3 mois. Formule 7 se marche à merveille. La chanson SL est 6 millions de vues sur YouTube. Donc, Formule 7, ça se marche très très bien. On va vous montrer la charte pour ne pas dire. On n'a pas assez de temps pour vous montrer une vidéo. Voilà, regardez la charte. Charte, position, vente des Formule 7, ça se marche, ça se vend à merveille. Ça, c'est toujours dans le top vente, même en France, même en Belgique. Belgique, c'est 28e. En France, c'est 44e. Donc, si vous regardez, par exemple, premier au Cameroun, premier en Côte d'Ivoire, premier République du Congo, donc Congo-Brazzaville, et surtout au Bénin, on est deuxième. Donc, c'est comme ça. Congo-Brazzaville, Fally Ipupa déjà en concert pour ce 17. Donc, le sold out qu'on a fait au Pullman Hotel, on veut aussi faire un sold out au stade là-bas chez vous. Donc, comme on parle de Fally, on va finir avec une chanson de Fally pour pas répétition. Ça va nous faire du bien. Donc, prenons la vidéo ensemble maintenant. Date d'anniversaire. Beaucoup de musique, hein? Beaucoup de son. Cacaboué. Autotune. Fermez vos bouches. El Mara. Date d'anniversaire. Sokomoni Master.
autotune. Oi autotune. Fermez vos bouches. Oi autotune. Ina. Yo kandoule. Ah. Bourlapa. Jalousie. Les fans révoltés. Balbom est simité. Bogomi golé. La bobeli ma boma. Eh. Formule 7 et Kainimi no catch. Yoka. Alex est chaud. Eh! Nabina na okalengi. El marabioso. De pibe. El loro. El pitici. El fantastico. El mini del mondo. El mara! Avec ça, nous allons finir. Hein? Nous allons finir cette émission. Nous allons vous dire, donc, pour mon hôtel, c'est sold out. L'artiste musicien Fally Ipupa va se produire les 17, donc ce 17, c'est déjà pour demain au Pullman Hotel qui est déjà sold out, un concert vendredi, donc c'est chaud, ça sera chaud, nous allons vous présenter des images et rester dans cette chaîne, c'est pour cela on vous demande toujours de regarder des vidéos jusqu'à la fin et de partager, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer ici, vous avez des choses de Fally Ipupa vraies, donc ne soyez pas pressé à aller chercher ailleurs, c'est ici. Parce que c'est votre humble serviteur, le master de la presse, défenseur de Fally Ipupa, porte-parole de Warrior, monsieur le cogneur. Aujourd'hui, je n'ai pas assez cogné parce qu'on devait préparer ces fameux concerts Topema. Topema, l'obin de Troloba. Topema, ça va image. On va vraiment faire du travail, du taf pour vous présenter ces fameux concerts et on va être là pour parler. Ça fera tellement plaisir. Donc, aussi à Brazzaville, l'artiste, musicien Fally Ipupa va se produire au stade Massamba Débat, donc ça sera chaud, donc prenez vos places, il y aura bientôt, au mois de mai, on va déjà commencer avec la promotion, on va déjà commencer à vendre des billets. Formule 7 en Belgique, déjà ça peut être disque d'or, donc téléchargez Formule 7, écoutez Formule 7, ça fait tellement plaisir pour augmenter les ventes, pour augmenter la capacité de l'artiste, musicien Fally Ipupa, à même la psoba disque d'or, à même la psoba blo et toko. Ça fait tellement plaisir. Aujourd'hui, les jaloux, les sorciers sont revenus à la raison. Moi, j'aime ça. Ça fait vraiment plaisir, les Warriors. Je vous aime tellement trop. Restez branchés à la chaîne émission 100% Fally Ipupa avec votre humble serviteur, le master de la presse. Donc, on est là. Le rendez-vous est pris. Donc, Tokutani Nambala Estima. Donc, Eglomata. 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 Eglomata.